Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 17 octobre 2023, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Robert Mambé-Beugré, à la signature du décret numéro 2013-814 portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Mambé-Beugré, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Tene Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoa Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, M. Adama Koulibaly, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Kakou Wadja Léon Adom, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné, ministre des Transports, M. Amadou Koné, ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, M. Moussa Sanogo, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédé Kofi Kwaku, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Boaké Fofana, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tiemoko Touré, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Mariatou Koné. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly. Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Monsieur Jacques Assaoré Konan. Ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Monsieur Ibrahim Khalil Konaté, ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana, ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara, ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchagba, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Camara. Ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, M. Kofine Guessant. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasseneba Touré. Ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Mme Lobo Miss Belmond Dogo. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur Wotabona Ouattara. Ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie, Monsieur Adjé Silas Metch. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 18 octobre 2023
à 11h au palais de la présidence de la République. Fait à Abidjan le mardi 17 octobre 2023.